on est là aujourd'hui pour défendre la cause du cancer, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui arrive très souvent. On n'a pas été touchés, nous, personnellement, mais dans nos amis proches, il y en a qui ont eu malheureusement des cancers et qui sont décédés. Et on sait que c'est important, on est dans le métier, on est infirmier, interne en médecine, et on sait que voilà, c'est très important. Et si on peut faire la moindre petite chose pour aider, bah, on le fait. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. C'est formidable, on est plus de 3000 ce matin au Touquet. Nous avons refusé des participants pour une belle cause. Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein, mais contre tous les cancers. Il faut se mobiliser, soutenir les malades, soutenir les soignants, soutenir les chercheurs, bien évidemment. Voilà, c'est un beau message d'espoir que l'on veut passer au Touquet ce matin, dans le cadre d'Octobre Rose, sous ce beau soleil.
Voilà, départ sur la corrida, sur le 5, très rapide. Mon premier kilo en 3,07. Je savais qu'il fallait faire la différence, ça suivait derrière. Donc voilà, c'était un dossard pour le plaisir, mais à la fois un dossard mis pour une belle victoire pour ma belle-mère qui est partie il y a déjà 10 ans d'un cancer. Donc voilà, ça fait plusieurs années que je voulais cette victoire pour elle. J'ai échoué toujours à la quatrième place et là j'ai saisi l'opportunité d'être parti très vite dès le départ. Et voilà, ça a payé. Ça tirait un peu avec le froid, mais voilà, c'est fait. Très serré au départ avec Daniel Fasquelle sur la première ligne. Puis après on a réussi à se dégager, une espèce de all shot à la Enduro du Touquet, dans la meilleure tradition touquetoise. Et puis après, la mer, les dunes, c'est très sympa. C'est pour une bonne œuvre. Ma cousine Sophie, voilà. Franchement, c'était magnifique, belle épreuve. Tout le monde, que ce soit les jeunes, milieu d'âge, personne, on était tous ensemble, on s'est bien amusés. Le parcours dans les dunes, c'est l'éclat. Bon, après, bien sûr, faut être motivé. Donc, on attend Daniel Fasquelle, son résultat. La course, j'ai démarré très, très rapidement. Je suis partie dans un groupe de tête très rapide. Et malheureusement, ça m'a payé un peu en partie bois là-bas, puisque je m'y attendais pas du tout. Je suis pas très trail, donc moi, c'est plus route. Et donc après la course s'est très bien passée, dans l'ensemble il faisait un petit peu frais, mais avec un bon échauffement ça passe et le soleil est avec nous, donc voilà, une très belle course et c'est génial. Bah, la course a été, c'était pas si facile que ça, mais bon, c'est toujours le cas avec les courses organisées comme ça, surtout le petit passage dans les dunes, j'avais oublié qu'il y avait ça, ça fait 2 ans depuis la dernière course. Donc pas évident, on essaie de faire notre maximum. Donc un petit rappel, voilà, de se mettre dans le dur pour les autres de temps en temps.